L'Assemblée générale constitutive de la Team pour le développement économique et social s'est récemment tenue avec succès dans la commune de Yopougon. Cette réunion importante a rassemblé l'ensemble des membres de l'organisation afin de passer en revue les statuts et règlements qui régissent cette association et de les adopter officiellement. Le reportage est signé Valentin Kra. C'est officiel. Les bases pour l'avenir de la Team pour le développement économique et social ont été décidées lors de son assemblée générale constitutive. Ce rendez-vous a connu une participation active et engagée de tous les membres présents. Les statuts et règlements ont été soumis à un vote démocratique et adoptés à l'unanimité pour assurer une représentation équitable de tous les membres. Il s'est agi pour l'initiateur de cette association de revenir sur l'importance de l'Assemblée générale. Nous sommes là aujourd'hui pour notre AG. On va dire aujourd'hui c'est la naissance de TDS. Nous sommes là pour adopter nos statuts et règlements intérieurs. Étant donné que nous sommes très nombreux et nous avons posé plusieurs actions sociales, il est important que notre mouvement soit doté de textes qui puissent servir de garant moral de notre association. Une vision fortement soutenue par l'ensemble des participants présents à cette occasion. Je viens de San Pedro. Ce qui me plaît en TDS, c'est l'harmonie, la communication, l'amour et la fraternité, et surtout l'entente. C'est ce que les fils et les filles de la région recherchent. La Team pour le développement économique et social est une association qui existe depuis 2 ans. Elle a pour vocation l'assistance et la fraternité entre les membres, favoriser l'entraide, la solidarité et l'unité entre les adhérents. TDES cible les ressortissants du Gontougo, mais également toute personne épousant les valeurs qu'elle incarne sont les bienvenus.